Bonjour, Monsieur, Dame. C'est un sacre de la chorale profane. Ein wunderschönen guten Morgen. Mein Hobby ist Altfranzösisch. Und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich hatte mich entschlossen, in der Zeit rückwärts zu gehen und im Barock anzufangen. Das Ganze ist über den Haufen geworfen worden, weil ich auf Amazon einen Vorschlag bekommen habe von einem Heftchen, Quadrige Manuel, das sind diese grauen Bücher hier. Da gibt es mehrere Kategorien, Droit, Science, Politik, Economie, Gestion und dann die dritte Kategorie ist Histoire, Géographie, aus der ist das Heftchen, Literatur, Linguistik, Philosophie, Psychologie, Psychoanalyse und Soziologie. Und wie gesagt, aus der Serie Histoire, Géographie von Jean Tullard, La France de la Révolution et de l'Empire, Quadrige Manuel. Püff! Steht auch da unten. In gelb-grau. So. Es geht um die französische Revolution und den Übergang zum französischen Empire, die Zeit, die von Napoleon, dem ersten bis dritten, eingeläutet worden ist. La France Empire heißt das, mit dem französischen Kaiser Napoleon. Das Besondere an diesen Heftchen ist, es ist offizielle Staatsmeinung, was hier drin steht in Frankreich. Die werden an Universitäten eingesetzt. Der Standort der Druckerei, es ist Première Rue du Docteur Sauvé. Erste Straße der geretteten Doktorarbeit in Mayenne, wo das gedruckt worden ist. Das heißt, hat auch eine Nummer. Aus dem Juni 2017 und es ist auf Recyclingpapier gedruckt. Steht hier auch grüner Druck. Ja, früher übrigens auf Altfranzösisch Premier Rue de Docteur Sauvé, mais la Première, la Rue, Première Rue du Docteur Sauvé. Rue du Docteur ist übrigens immer noch altfranzösisch, deshalb gibt es viele, die diese berühmte Druckerei-Adresse immer noch mit Premier Rue du Docteur Sauvé betiteln. Ja. Also, Le Rue du Docteur Sauvé ist altfranzösisch, im modernen Französisch heißt es La Rue du Docteur Sauvé. Docteur Sauvé. Ich lese das jetzt einfach mal. Es kann auch sein, dass ich es mehrmals lese. Was ich noch machen muss, ist die Eieruhr stellen. Das soll den Rahmen einer Stunde nicht sprengen. Jean Tullard, La France de la Révolution et de l'Empire. Sommaire. Lesson 1, l'Ancien Régime. Lesson 2, les États généraux. Leçon 3, l'Assemblée constituante. Leçon 4, la législative. Leçon 5, la convention. Leçon 6, le gouvernement révolutionnaire. Leçon 7, la réaction thermidorine. Leçon 8, le directoire. Leçon 9, bilan d'une révolution. Leçon 10, la redressement. Leçon 11, du consulat à l'empire. Leçon 12, les victoires. Leçon 13, le réveil de des nationalismes, le réveil des nationalismes, leçon 14,
13, 14, le laissant 14, le grand empire, le laissant 15, la nouvelle société, le laissant 16, la défaite, mais les défaites, le laissant 17, la restauration de la monarchie. Das wäre dann der Anfang des französischen Empires. Conclusion gibt es auf Seite 225. Ich gucke mal in Conclusion rein, was da steht. Ja, damit könnte man schon anfangen, wie es weitergeht. Ich lese aber erstmal den Klappentext vor, der steht hier hinten auf dem Buch. La France de la Révolution et de l'Empire. Que nous apprend le bilan des années 1789 à 1815. Quels facteurs engendrent la disparition de la féodalité? Comment s'installent les idées de liberté et d'égalité? De la Révolution au Grand Empire, Jean Tulla analyse dans ce manuel une période historique considérée comme le berceau de la construction de notre nation moderne. Es wendet sich ausschließlich an französische Staatsbürger, dieses Buch, das merkt man schon am Klappentext. Laissant par laissant, il tente. Mich stört schon, dass da kein Artikel dabei steht. Le laissant par le laissant oder la laissant par la laissant. Il tente, würde meinem Sprachempfinden nach richtig sein. Laissant par laissant, il tente de mettre en perspective toutes les articulations politiques, intellectuelles, mais aussi économiques, inhérentes à ce quart de siècle héritier des Lumières. Pour approfondir une bibliographie, une iconographie et une filmographie sont proposées à la fin de chaque partie. Cet ouvrage permet ainsi à tout historien, apprenti ou aguerri, de comprendre une période charnière de l'histoire de France. Jean Tulla, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages qui font autorité sur Napoléon Ier et l'histoire du cinéma. Das zum Autor werde ich wahrscheinlich nicht mehr vorlesen. Die erste Ausgabe ist von 1995, die zweite von 2014 und das ist der zweite Abzug, der zweite Deuxième Tirage. 2017, Juni 2017, also zweite Auflage,
Zweiter Druck der zweiten Auflage, deuxième Tirage, zweiter Abzug. Tirage, glaube ich, ist auch eine Kopie auf Französisch. So, sommaire haben wir Introduction. Wollte ich nicht mit anfangen, sondern mit Conclusion. Ganz am Ende wollte ich. Wie geht's weiter? Nachdem ich dieses Buch fertig habe, geht es folgendermaßen weiter. En 1815, la Grande Nation et la Grande Empire disparaissent dans l'acte final du Congrès de Vienne. Le chancelier autrichien Metternich pense avoir dessiné la carte de l'Europe pour l'éternité. Die waren auf dem Weg zur Unendlichkeit. Du moins l'espère-t-il, car le scepticisme est la qualité principale de Metternich. Les adversaires de Napoléon avaient su exploiter, et plus encore en Allemagne ou en Italie qu'en Espagne, les réactions nationales contre les dominations napoléennes, mais ils ne tinrent pas leurs promesses. À Vienne est décidée l'annexion de la Belgique catholique et agricole à la Hollande protestante et tournée vers le commerce maritime. On refuse la résurrection du royaume de Pologne et on se désintéresse des unifications de l'Italie et de l'Allemagne. En criant vif la nation, à Valmy, les soldats de Dumouriez avaient entré l'Europe cosmopolite des Lumières et annoncé les mouvements de 1830 à 1848 qui allaient emporter l'Europe de la Sainte Alliance. Mais le bilan des années 1789 à 1815 est loin d'être négatif. À peu près partout, la féodalité disparaît ou recule de façon spectaculaire. Les barrières de la naissance sont détruites au profit de la bourgeoisie. Les idées de liberté et d'égalité font leur chemin sur le continent. Et à cet égard, Napoléon est l'héritier de la Révolution. Le Grand Empire n'est que la constitution de la Grande Nation. Les années 1789 à 1815 font un tout. So. Ich werde das ein paar Mal öfter vorlesen. Es kann dauern, bis ich anfange, das zu übersetzen. Mein einsprachiges französisches Wörterbuch mit den falschen Artikeln und dem Altfranzösisch-Teil ist unten im Keller. Und ich muss erst wieder in die Sprache reinfinden. So. Introduction. Ce livre consacré à la France de la Révolution et de l'Empire n'a d'autre prétention que de fournir aux étudiants de première année de licence les connaissances de base sans limiter sa portée à un usage strictement universitaire. Also man darf es nicht nur in der Uni lesen. Finde ich schon mal gut. Mache ich auch nicht. Mais on voudra bien le considérer que comme un manuel et tenir compte de la faible place accordée actuellement dans les programmes de l'enseignement secondaire aux années 1749
en 1815. Des bibliographies renvoient dans les cours du livre à des études plus approfondies. Y sont mentionnés également des recueils qui peuvent fournir aux maîtres de conférences et aux moniteurs des documents pour les explications de textes. Une filmographie recense des films qui se trouvent en briquet, sauf pour les muets, briquet terminé en DVD, et peuvent donc être montrés et commentés en briquet en dehors de toute séance publique et payante, briquet terminé à des étudiants avec l'autorisation des ayants droit. Sont indiquées également les sources pour les partitions ou les enregistrements de la musique de la période. Pour l'iconographie en briquet surabondante, briquet terminé, on s'est limité aux ouvrages mentionnés dans l'introduction générale. Des thèmes d'exposé ou de recherche sont cités en fin de chaque leçon. Ils n'ont pas la prétention d'être exhaustifs. Ce livre a pour base le cours professé en licence à l'Université de Paris-Sorbonne. Il souhaite simplement être utile à de nouvelles générations d'étudiants. So. Kann ich ein paar Mal vorlesen, so angeblich ist das nicht. Leçon 1, le leçon 1, l'ancien régime. Mich stört schon, dass da wieder kein Artikel steht. Irgendwie verstehe ich Französisch nicht mehr. Wenn der Leçon premier stehen würde, oder premier Leçon, dann von mir aus, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Deppenfranzösisch. Naja, er war Professor in der Sorbonne. Was will man da machen? Die Filmographie considéré comme l'une des causes de la révolution, l'affaire du collier de la reine a inspiré plusieurs films, dont celui de M. Lherbier en 1945 et Carl-Louis Dois, blablabla. Le film heißt Carl-Louis Dois et der zweite heißt Madame du Barry. Was von 54. Gibt es sogar eine Musikempfehlung? Wie schön.
Leçon, egal was Lissabon da drüber schreibt. Früher Première Leçon, une Leçon, ich weiß es nicht, ich müsste nachgucken. L'Ancien Régime. La France, da geht es zumindest mal an, im Text richtig los. La France de. La France de 1749 s'était constituée autour du domaine royal. L'île de France de Capétien par annexion, acquisition ou héritage de Provence. Elle est inachevée puisque la Savoie et Nice notamment appartiennent au Piémont. Comme Avignon et le comtat vénitien au pape. Cette impression d'inachèvement est ressentie par les contemporains. On ressuscite la théorie des frontières naturelles dans lesquelles devraient s'épanouir la France, l'océan, le Rhin, les Alpes et les Pyrénées. Même inachevée, la France est considérée comme l'une des principales puissances de l'Europe. Elle le doit à ses succès militaires sur l'Angleterre dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. La paix qui reconnaît cette indépendance en 1783 n'est-elle pas signée à Versailles? La France doit aussi sa suprématie à sa forte population le plus élevée d'Europe occidentale. Und jetzt geht's los. 27 800 000 habitants en 1789, 29% d'accroissement depuis le début du siècle, donc une population jeune qui survécut au péril de la naissance et de la petite enfance et qui donnera à la Révolution et à l'Empire des soldats nombreux et résistants. La France doit enfin sa suprématie au rayonnement de sa langue. Imbriqué Rivarol est couronné à Berlin pour son discours sur l'universalité de la langue française. Briquet terminé. Partout en Europe, on lit Montesquieu et Voltaire comme en copie le palais de Versailles où l'on discute les découvertes scientifiques de Buffon, Lavoisier ou Jussieu. Ein sehr, sehr schwieriger Text. Ich werde ihn ein paar Mal lesen müssen. Und dann geht es weiter mit Le Roi. Ich habe noch über eine halbe Stunde auf der Uhr. Le Roi lese ich noch und dann ist Schluss. Le Roi. Le Roi de France est un monarque absolu de droit divin. Tous les pouvoirs sont concentrés dans sa personne. La couronne est réservée
terre de mal en mal, selon l'ordre primogéniture. Les femmes sont exclues de la succession, mais peuvent exercer la régence. C'est de Dieu que le roi tient sa couronne. Il est sacré à Rhin, représentant de Dieu sur la terre. Was da der Papst wohl zu sagen würde. Il n'est comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême. Rappel Louis XIV, Louis XVI au Parlement de Paris. Rappel Louis XVI au Parlement de Paris. Son autorité est donc absolue, absolue. Sa volonté est la loi. C'est légal parce que je le veux. Réplique Louis XVI ou Duc d'Orléans qui contestait une décision royale. Ich höre jetzt auf, das reicht mir erstmal. Ich habe genug gelesen. Ich finde das relativ anstrengend, deshalb ist das so eine kurze Folge. Ich bemühe mich aber in den nächsten Tagen weiterzumachen. Die Folgen werden jeweils am 4. Freitag eines Monats nach 22 Uhr veröffentlicht. Und ich habe da noch ein bisschen was zu tun bis zum 4. Freitag in diesem Monat. Tschüss.